Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 122 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Dark Sector. Dark Sector qui est un jeu de tir à la troisième personne. On va le voir. Alors, Dark Sector, un joueur, on va jouer en solo. Et on va faire donc une nouvelle partie, j'en ai pas commencé encore. Je ne connais absolument pas le jeu, je vous laisse l'introduction. C'est à nous de jouer, donc c'est parti. Alors on vise, donc vous avez vu, avec la souris, hop, la caméra, on la contrôle comme ça. On est parti, chapitre 1, prologue. Bon bah, pour l'instant ça va être juste le début de l'histoire. On va pas trop savoir, on a vu la vidéo, on sait pas trop ce qui se passe. Hop, donc les contrôles sont assez simples à prendre en main. Voilà, ça c'est une pièce, hop, on rentre dedans. Ça, hop. Voilà, par contre... ouais, je suis un peu con. Ouais, je sais pas. Alors attendez, souris 2 pour viser. Ouais, non. Alors attendez, ne visez pas, hein, très bien. Tirez sur la serrure pour continuer. Faut que je tire sur la serrure. Space pour ouvrir la porte. Voilà. Hop. On avance. Youp, youp, youp. Alors pour l'instant, on n'a croisé personne. Alors on remarque quand même que c'est en noir et blanc. Bon, ça a beau être joli, ça a beau être net. C'est en noir et blanc. Là, on avait une sorte de vidéo qui passait. Hop, on avance. On dirait que c'est tout vide, ils me disent qu'il faut que je m'infiltre et que je pose des explosifs. Sauvegarde en cours, mais ça c'est pratique. Ça sauvegarde tout seul. C'est vrai qu'on sait jamais quand on arrive dans un jeu comment ça va sauvegarder. Allez savoir, peut-être. Alors là, il faut que je fasse quoi? Il y a un mec. J'entends un mec. Je sais pas, il y a personne. Ouais. Là, on peut pas passer. Ah, c'est bizarre, regardez, la porte elle est bloquée. Et là, on a rien du tout. Est-ce qu'on peut continuer? Ah, y a l'air d'avoir quelque chose là-bas. Hop, rien ici, rien ici. Voilà. Oh merde, y a un mec. Oh merde, putain. Oh là là, oh le contrôle, ça lague. Eh, j'ai de la peine à tuer. Alors, ouais. Je suis en train de vous poser une question.
pourquoi est-ce qu'on a un cercle en guise de viseur? En quoi un cercle est-il... Attends, maintenez Z, hop. En quoi un cercle est-il précis? Je ne sais pas. Il n'y a personne, même si le mec il est mort. Spacebar possède le C4. Ouais, alors on est en train de poser des explosifs un peu partout. Est-ce que je peux y aller dans ces pièces? Non. Ouais, donc il n'y a pas tellement de choix à l'exploration, hein. On est obligé de continuer le chemin. Ça c'est... Oh merde! On me tire dessus, je me fais canarder, hop, voilà. Bon, ça c'est bien fait au niveau du, de l'angle de mur. Putain, il est toujours pas mort là-bas. J'ai tiré la moitié d'un chargeur. Voilà, il est mort. Oh putain, il est encore là. Voilà. Alors. Youp. Donc je récupère des munitions. Ouais. Bon, moi je suis sûr de ne pas en manquer. Là, il y avait un autre mec. Hop, on récupère Z, les munitions. C'est pas la meilleure des touches, Z. Parce que du coup, moi je contrôle avec les flèches. Et Z, ben, du coup, je suis obligé de revenir sur, sur l'autre côté du clavier. Maintenez Z. Voilà, je récupère encore des munitions. Hop. Les contrôles sont quand même bien à chier quand même. Il y a des bons tirs comme ça à la troisième personne où c'est que c'est vraiment easy et vous kiffez, mais alors là, je sais pas si je vais y jouer longtemps. Ça m'énerve un petit peu déjà. Regardez-moi ce viseur. Comment voulez-vous que je sois précis? Faut qu'il y ait le mec dans le cercle. Voilà, c'est génial. Encore ça va, c'est pas trop. Pas trop galère, ça pourrait être pire. Ouais. Est-ce que je peux me baisser? Non. Je suis pas arrivé à me baisser, donc tant pis. On va niquer les mecs comme ça. Heureusement qu'il y a des murs un peu partout. Ok, il y a des mecs morts partout. Hop. Hop, des munitions partout aussi. Hop là. Encore là. Là. Non, putain, il y a un mec. Putain. Et j'avais rien pour me cacher. Bon, on remarque quand même que si on regarde l'angle dans lequel je vis, je suis quand même en train de tirer dans le placard. Il était devant moi. Donc je suis pas sûr que le rendu soit bien fait. Enfin, le... Comment ça s'appelle? Comment on appelle ça? Je sais plus. La perspective. J'étais en train de tirer quand même dans le placard. Hein. Enfin, visuellement. Alors, une serrure. Bon, les serrures sont pas compliquées à passer. Ici. Il sait que j'ai envoyé ce message. Je veux juste savoir où est Mesner. L'armée lasrienne travaille pour lui maintenant. Un de leurs hélicos est en route. Écoutez-moi. Il tente de pénétrer dans la chambre forte. S'il y parvient... Donc nous revoilà, maintenant il va falloir qu'on se casse. Parce que j'ai compris, on a tué le mec là, le sort d'otage. Mais en fait c'est un peu con. J'ai pas trop compris en fait si on devait le sauver ou pas. Parce qu'il nous a parlé, il nous a dit faire attention. Du coup on lui a tiré une balle à la tête. L'histoire est un peu vague pour l'instant. Il y a un mec là-bas. Ouais, voilà.
Alors, pourquoi on sort pas par le même endroit où on est arrivé, je ne sais pas. C'est quand même plus logique. Il y a des mecs un peu partout, on fait le ménage. C'est toujours un peu chiant parce qu'ils apparaissent un peu... Voilà, putain, lui il est devant moi. Je me tire même pas dessus. Ouais, je trouve que c'est quand même mal fait, hein, tout ça. Pour un jeu qui est récent, je trouve que... Bon, là, bah, en plus, on est toujours en noir et blanc, je fais signaler quand même. Même si on sait que ça peut être en couleur, hein, on l'a très bien vu dans le menu et tout ça. On voit quand même les petites nuances, là, quand le curseur devient rouge, tout ça. Mais, regardez, en plus, voilà, quand on devient rouge, quand on se fait tirer dessus. Mais je vois pas pourquoi le décor est en noir et blanc. Je veux bien qu'on ait les... On a la dégaine d'un ninja. D'un ninja ou d'un. Voilà, un petit soldat commando là qui arrive en mission spéciale là. Mais je vois pas en quoi ça explique le fait que ce soit tout noir et tout blanc. Ça gâche un peu. Je sais pas si ça va être comme ça tout le long, mais c'est chiant. On récupère des munitions. Donc là, c'est pas une porte. Alors, on monte ici. On continue. Tac. Ta-ta-ta-ta-dam. Il avance pas très vite le perso. Non, je peux pas courir. Quand j'appuie sur masse, ça met des coups à la main, comme vous avez vu là. Alors maintenez contrôle pour sprinter. Utilisez là pour diriger le personnage. Ouais. Ça me rappelle étrangement une scène de jeu que j'ai déjà fait ça. Parce qu'il faut courir devant les fenêtres. Si vous avez vu, vous vous en rappelez. Alors là, il y a un hélicoptère. J'entends un hélicoptère. Où est-il? La sortie aussi, où est-elle? Je ne sais pas trop où elle est. Oui, donc on récupère des munitions. On récupère un lance-roquette. Je sais si j'y arrive. Ah putain, de touche de merde. Z enfoncé. Voilà. Donc j'ai un lance-roquette et je ne vois pas l'hélicoptère. Où est-il? On me tire dessus, mais où est-il? Il est censé être au-dessus de moi. Alors... Bon, maintenant je sais pas comment je change d'arme, donc pour l'instant j'utilise mon lance-roquette. Je tue les gens avec. Bon. Putain, je me fais tirer dessus. Hop là. On nettoie un peu, j'en ai tué deux ou... Ah, l'autre aussi il est mort. Pas. Alors lui il est caché là derrière. Ah non, il est là. Hop. Il est plus là. L'hélicoptère, je ne le vois toujours pas, donc j'ai de la peine à le tirer dessus. Je ne sais pas où il est. Il n'y a pas d'hélicoptère. Hop, lui. Ah lui il vient de prendre une roquette dans la tête. Hein. Je pense qu'il a pas dû apprécier. Ouais. Ah j'ai récupéré un autre. Oh merde, il est là l'hélico. Alors si j'essaie de lui tirer dessus. Mais je suis mort. Je suis mort, c'est sous terre. Alors on recommence ici, on est sur le même endroit. Oh merde, putain il est déjà là. Non mais comment je fais, ça tire pas, y'a rien. J'ai pas de munitions. Je fais comment? Il faut que j'aille en rechercher dans la boîte de là-bas. Alors attendez, l'hélicoptère. Non mais là, regardez, ça a fait le viseur. Ah j'ai tiré à côté, en fait j'en ai qu'une. J'ai une munition, d'accord. Ben, qui est chargé, bon. Ça m'énerve. Je suis encore mort. Comment voulez-vous que je ne meure pas? Je viens de lui tirer dessus là. Non mais c'est horrible. Attendez, ouais. On va se barrer. Putain. Les contrôles, c'est quand c'est comme ça là, les contrôles sont horribles en plus. Ça bouge de partout, vous comprenez plus rien. Regardez, je l'ai touché là. Mais j'ai plus de munitions. Il faut que j'aille en chercher. Putain, il me tire, il me calarde. J'ai beau courir, il me calarde. Ah mais c'est quoi ce... Oh merde. Putain, je suis revenu là où j'étais. C'est quoi ce niveau de difficulté? Là, elles sont là-bas mes munitions, à côté du machin. Oui. Je vais y arriver. Eh ben non. Je suis encore mort. Putain, c'est pas possible ça. Allez, ça me saoule. Ok, voilà. Vous avez compris le truc, ce sera tout pour Dark Sector. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement.
Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.